C'est lundi 16 septembre 2024, il y a session parlementaire et ordinaire plutôt. Il y a moi et Kuna l'Assemblée nationale, Sénat, P, Parlement Yambo Kanabiso et Bibongo Kozonga Namo Salasima. Il y a 3 mois, il y a vacances parlementaires. Bisikawa Piba, élu du peuple, Baketa qui est sur le terrain pour Nako Solola. Naba Imbo, Kanini Penza et Lekani Kuna Torozonga Namozindo. Mais session Oyo, priorité Nango Ezali essentiellement budgétaire. Et Sengeli Tobo Sanate Kasinama et Matali Budget, Nini Penza Ezali priorité de priorité Natango. Selon vision tata mokambi ekolo po na mikolo mizali koya tokozongelango na kati ya emission emisa mokolo alelo 17 personnalités aussi bien de l'opposition que de la société civile signé tribune moko intitulé la liberté n'a pas de prix. Il s'agit entre autres de Martin Fayulu, d'Olivier Kamita, tout Claude Lubaya et tant d'autres en rapport avec interpellation topé bokanga mia mwana mboka 7 kekuni oyo azala ki transféré weekend moleki kuna na parke bisika pi azali ko samba selon ba avocat na ye azali akize na o etali incitation à la désobéissance civile pe propagation de faux bruit nini penza mbe kolobi sur ces dossiers torozong elango na ba invité na biso mais aussi likambo etali procédure et incarcération na ye likambo etali droit de l'homme sous Félix Tshisekedi opposant à lobby moto ya pouvoir ya lelo to kozongi yango na mozindo penza kasi weekend eleki ezala ki pe ezala ki mingi penza na actualité ya monene wa bisika tata mokambi ekolo akendaki kotala moko ya babaoba ya politique congolais au bisika akutana ki bongo na mwana mboka Léon Kengo Wadondo papa Léon Kengo Wadondo, ancien président ya Sénat ya mboka na biso bisika basola ki maimatali politique ezala ki penza beaucoup d'années ki toko tokozonga na ba image au cours de la journée pona ko lobela yango na mozindo openza na maimatali mboka Congo to pendenge makambo esali kotambola boye baki ministère ya affaires sociales action humanitaire pe solidarité elongo na mama topé excellence Nathalie Aziza baibi bongo ko lancer programme monene ya prise en charge ya ba veuve pe orphelin militaire ba union so bazali ko kufa kuna na etumba na parti est gouvernement désormais a kozwa bango en charge na nzela ya ministère ya affaires sociales action humanitaire pe solidarité nationale kasinangambo la bango kuna na ministère intérieur bango ba lancer bongo programme monene na maitali changement ya mentalité désormais otosi mobe côté okukanga maliboso ya l'état et même ba officiel nyonso bazali appelé ya kotosa entre autres kozwa deuxième bande tp bongo na bongo j'espère que mosala ebandi na ebité so mosala se bandi j'espère vraiment que mosala ebandi na sens wana pona kotia ordre surtout na ville province ya Kinshasa pona Congo lelo e bandi mbote pe boye bola mona bino bonso bonjour baka konanda biso à travers le monde et komi et koma bo mesano et koma rendez-vous na biso mi colonios vous pouvez partager na ba bazo landa biso na nzela ya ba page na ba bazo ko landa biso na nzela ya TNT vous pouvez écrire justement na numéro est affiché na ba ya ba écran na bino pona Congo lelo e bandi droit de l'homme sous Félix Tshisekedi démocratie est-ce que ils a respecté le lengue longo bani est-ce que dictature ezali est-ce que démocratie la kisi ki opposant ko kokangamate kasi na lolenge nini to lobelango au cours de cette émission toza bongo na mwana mboka Joseph Mbenza il est de l'île de PES moko ya ba pouvoir bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bonjour, bon début de la semaine. Merci. Namonio, tout mon anité, ça fait moi Mikole Bele. Vraiment. Que Dieu soit loué, n'a pas ici de Konanga congolais. Waza Pembeni ya opposition. Le nom. La confondant, nous mingi na ba kombo belé na IDPS. Jean-Paul Kazamba. Kazamba, je le salue. Merci. De tout cœur, mais je voulais saluer une dame que vous avez fait mention. Madame Aziza, Mounana Nathalie,
Moi, je suis du pouvoir, je suis de l'UDPS, mais c'est une dame que je ne connais pas de vue comme ça, mais que je suis, ça fait très longtemps, dans l'espace Grand Katanga, parce que je la voyais toujours dans les actions humanitaires, et j'ai découvert qu'elle a fait 36 ans dans le domaine. Donc, il y a à faire, il y a Kusunga Batu, parce qu'il faut avoir le cœur pour aider les gens. Et c'est pour cela que nous saluons en tant que membre de PSOE à Mokonza Mboka. Maman Aziz Amnana Nathalie. Et puis, et le côté de Pengléwana, c'est ce qui manquait. Que moni ma pinga na biso, bato bazo koufa po na biso, ma famille na bango, ma dépendant na bango, ma tika la très longtemps délaissée. Maintenant qu'elle vient au pouvoir, a même une initiative dans le gouvernement que désormais, ma dépendant et ma militaire, aux alamois, soubien moubali, soko koufi na front. Ou bien aujourd'hui, comment le gouvernement soit en charge de la famille Nayo, veuve n'orphelin. Ça, c'est un coup de maître que je salue à Madame la ministre, que nous soutenons désormais parce qu'il faut parler de bonnes choses. Et puis, deuxièmement, dans mon avis, dans la commune à Barumbu, où il y a pour l'autonomisation des femmes, où tu reçois formation, parce qu'il faut créer une classe moyenne. Pour créer une classe moyenne d'entrepreneuriat, il faut une formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, madame, vous avez tout notre soutien. Continuez ainsi pour faire rayonner le social, parce que c'est ça le social. Exactement. Et puis, maman Premier ministre, le secteur que vous devez mettre beaucoup plus de moyens, parce qu'il y a trop de problèmes dans le domaine social. Et puis, je crois qu'avec le cœur de la maman, il n'y aura pas de détournement. Surtout avec déplacer à Est. Il y a déplacer à Est. Il y en a 7 millions. Tala Kinshasa, le des aveugles partout. C'est-à-dire, ça montre déjà qu'il y a un vrai souci en prise en charge. Je crois que c'est là où on a budget Oyo. Nous allons nous battre pour que le côté social puisse avoir un quota important pour trouver des solutions et soulager tant soit peu de Congolais. Surtout que ça a vision à Tata Mokambi Ekolo. Matin, Domingue, Ndeko Joseph Mbenza. Moi, Namboka, Jean-Paul Kazamba, ici, Batanye Kombo, Nayo. Mbote, Pebouye Boulam. Mbote, Maman Naomi, Mbote, Nandeko Nangai, Joseph Mbenza, Mbote, Naba, Landipato, Landabiso. Toujours au FCC? Oui, toujours au FCC. Toujours. De nom ou de fait? Beaucoup Tanaka, Bosolaka, comment ça se passe chez vous? Non, comment ça se passe? Moi, je suis persuadé du FCC, Natozali, tout. On est là en train de travailler pour que Bato Bazalate, Namikolezali Koya, parce que Baza Bato discours. Et vous avez beaucoup de vision, boy. Ce sont des gens qui parlent plus pour ne rien faire. Ça y dépêche, il y a le lot, et ça n'est pas dépêche à lobby. Il y a Koloba, mais sur le terrain, ils ne font rien. Et Maman Naomi Koya, Naye Boyawa, quand on a quitté les Nazandou, il faut que les Camerounais Nazandou, na moni bosoto Nazandou, pour que les autres Makamouya, propriété à Villa Gisasa. Autre que depuis, puis Nazoué va te vendre quoi, ceux qui sont incapables de nettoyer Villa Gisasa, des bagues sont incapables de nettoyer le territoire, où les bagues sont occupées dans l'Est, ceux qui Villa Gisasa pas besoin de combattre. Na moni ça a été na Bokassa, en plein centre-ville, mais entre-temps, Basloga, qui ne sont qu'au Bongo, Mais vous savez, les bandes qui n'ont pas de la télévision, qui n'ont pas de bonga, qui n'ont pas de bonga. Ah, ils sont entre villes, ils sont à quelques mètres, qui n'ont pas de bonga. Sans pour autant parler de la cité. Nous avons des bandes qui n'ont pas de bonga. Président de la République. C'est-à-dire, les bandes qui n'ont pas de bonga, fonction chef, ça veut dire quoi? Tout le monde qui a été en Turquie, il y a un partenaire turc. Oui, bangonde bakoya, bangonde vous a chargé, il y a supervision, il y a sinistre avec ça. Baya, baluka, bakokate kosona, bango baluka, bazonga. Ce que l'on a vu, yoka ki, moukomosu, danyaz, ou non, il faut réquisitionner génie militaire, basoda, bangonde bakombo, la balabala. C'est pas mauvais. Mais bloka basala, ango bongo, naba mbiso, ça n'avait tête de guerre. Autre besoin, basoda, pour bakende est, basana mouke. Alors que vous avez qui chassez au côté bon et belé, au bas cause à battre ma combo la ville avec ça. Il n'arrive pas. Bâtir, gabaye, balgui, bazongi. Ça a été la ville avec ça, de qu'on a évité. Ceux qui battent, ils sont incapables, ils ont eu une chance, 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 ils ont eu une Mbenza sawa soko yokanga soko yokanga. Kisasa c'est pour la première fois na busoto boy.
C'est pour la première fois de combien de contredire Gaïté. C'est pour Kabila, Eria, Kéya, Tiki, qui s'en Peto. Peto, il y a solo. Mais est-ce que vous les avez dit que vous avez moi aussi? Quand ils me disent ça, je suis serré navré. Et ça, il y a des charges publiques bien clôturées en couleur verte. Est-ce que vous avez dit que Kabila, Eria, Tiki, qui s'en sort, vous avez dit oui, il dépense, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens qui est-ce que vraiment, ils ont le congé de la banque, ils ont le contrôle de la télévision, de la moitié. Que c'est pour la première fois, vu la question, et comment on a beau sur toi, qui ne le sait pas? Le ami Balé, il y a des gens qui ont le moitié. Ils ont dit, dans ce que je souhaitais mes condoléances, dans l'anda qui est dans la télévision, pour moi, il y a des gens qui sont dans Sévigné. Il y a un deuxième, il y a un Balé, il y a six ans, il y a à soi, diplôme de temps, c'est venu à la primaire. Ça fait dans Kanis 3 ans. Donc, il y a un yoka qui est passé dans le combo de Ryan. Moi, dans l'âge, il y a Bongo, il y a Koukoufa. Mais dans ce cas, d'emblée, il y a un peu de temps que moi, je n'ai pas eu de temps. Dans le cas où il y a un peu de moins de 14 ans, il y a un peu de temps, il est responsable, irréfragable. C'est-à-dire, moi, je vais agir sans discernement. Je vais même agir, je vais relaxer, malamoko. Et c'est fait de prouver qu'il a moins de 14 encore. Exactement. Le cours d'avant, on a deuxième saison, il faut avoir moins de 14, si je ne m'abuse. Mais ça, occasion, pour mon ibis, le Congolais, tous les mingi qui ont condamné les conséquences que les causes. Oui, bien de quoi. Et ça, là-bas, dans mon sous, bah, qui dans la classe, n'ont pas autant à prendre que tout le monde là-bas. Il y a des enfants comme ça. Il y a moins de bien à l'école buissonnière, tout le monde a tongo socolier. Alinga que ne classe bani golela. Azo ta tantôt pour instituer na bango tazo po moninga mozo na classe li atanga. Azo ça ce n'est pas facile hein? Moi j'ai vécu ça aussi. Ngai dans 6e primaire, ça je vois des choses ça fait 40 ans dans 6e primaire. Bon nazaki na molai tout ça tant moi na bano que na tenir gymnastique té. Bon longo la chemise boy tout ça. Pas tant na ba kola ba sango. Mais bali école mosu lycée basi biso na collège. Alors na gymnastique, ceux qui n'ont pas ma peka, excusez-moi, n'a pas poil na ma peka. Moi, na moko comme moi, je suis comme na ye, li solo ya du jour. Na comme comme ça l'école buissonnière. Na trois de dimanche, pe na sa l'école buissonnière, parce que moi, na moko bando tiens mal à l'aise. Comme on a ceux qui enseignent à Bimi, il y a qu'un tableau à dessiner nga ilongi, à Bikombo à Kazamba. Na comme quoi qui ma classe. Ça dit que nous, les parents, nous devons éduquer nos enfants. Qu'ils soient dans la classe, qu'ils soient dans le temps, qu'ils soient dans le temps. Pour que nous soyons dans la classe, nous devons être dans la classe. Nous devons être dans la classe. Après, nous devons menacer nos voisins. Il y a des collègues dans la classe. Merci. Mais pour que nous soyons dans la classe, ils ne préparent pas à résoudre l'IDPS. Au moins, l'IDPS, ils ne peuvent pas être dans la classe. Cet enfant-là, il est métis. Au moins, il y a des gens qui ont été étrangers pour les gens qui ont été étrangers. Quel est le rapport avec l'UDPS? J'ai dit, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont été en élection à Makambo, il y a Loa Tchani, il y a Noël, il y a l'UDPS. Kolobate, Kolobate, Métis, il y a le droit de faire président de Mboka Ote. Nous avons dit qu'un Métis, il y a le Congolais, Mamadou Ndala, il y a moi aussi. Ce sont des choses que je vais vous dire. Mamadou Ndala, oh, il y a Bundaki, héros national. Oh, Koufa na guerre na Est. A ça, 50% Sénégalais. L'autre, la sœur, ma belle, n'a pas eu de paix. Il dépêche pour la bango congolais, faut ça. Des pères et des mères. Alors, il y a des pères et des mères congolais, des escrocs et des voyous. Le nom est comme quelqu'un qui n'a pas tout. Moi, je suis un peu comme ça, je suis congolais, je suis à droite. Moi, je suis un peu menacé dans la banne. Le nom est congolais. Je suis un peu comme ça, alors que sa mère est congolaise. À ma connaissance, je suis à toute proposition. Il y a un peu comme ça qui n'a pas été dépêché. Non, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu. Vous comprenez? C'est-à-dire que les hommes ont mon sous électoraux. Qu'est-ce que vous semez dans la génération future? Très bien. Là, il y a une discrimination. Que ceux qui ont 50%, vous avez 50%, vous avez congolais à moitié, vous avez comme président de la République. Qu'est-ce qu'ils sèment dans la catégorie de la bataille? Là, je dois réagir du tic au tac. Permettez-le-moi, messieurs, vous êtes. Je vous trouve humainement responsabilité, nous, dans la famille, aux âmes, tout le monde est sérieux. Parce que vous êtes un père de famille comme moi. Mais politiquement, vous êtes un monsieur moins sérieux.
très moins sérieux. Non, Zala respecter ma langage. Non, dans le but politiquement. Mais ne m'attaquez pas. Non, Zala politique. Si tu es impoli, là, je ne vais pas marcher. Non, de l'impolitesse, je ne vais pas accepter ça. Si tu es impoli, là, je ne marche pas. Ok. Parlez. Ne parle pas de ma soeur. Sois poli. Je dis dans votre famille. Sois poli. Attendez, messieurs. Ne parle pas de ma soeur. Attendez, messieurs. C'est quoi ça? Quand vous parlez, je me suis tué. Mais quand tu n'es pas poli, quand tu n'es pas poli. Quand j'ai insulté l'IDPS, je n'ai pas attaqué à ta personne. Bon, j'ai retiré ça, mais laissez-moi vous dire des vérités. Parce que vous êtes très épaulé à l'IDPS. Vous êtes épaulé à l'IDPS, mais vous tombez encore dans le travers. Je dis politiquement, vous n'êtes pas moins sérieux. Vous êtes moins sérieux. Ça veut dire quoi? Je parle de l'aspect politique parce que vous mélangez. Ou bah mélange à raté. Ou rencontrer ma vie, non, j'ai une internet là, baba poil là. Qu'est-ce que ça a à voir avec des Congolais? C'est là que je dis politiquement, vous n'êtes pas sérieux. Ce sont des choses qu'on ne dit pas à la télé. Si vous avez une forme avec un colo italien. Mais pourquoi le dire à la télé? Ça c'est de un, de deux. Mais messieurs, messieurs, apaisez-vous. Mais ça, messieurs, attendez, hein? attendez. Mais quand vous menacez à l'école là-bas, c'était qui? C'était un métis? Ou Yubano qui m'a classe. Et puis, oui, mais c'est pas tout cas, Yubano qui m'a nos classes. Et puis vous trouvez ça sérieux à la télé. Deuxième de choses. Troisième de choses. Il me dit, fait dire ça, c'est un problème. Ça, c'est une tragédie qui est arrivée à cette famille-là. En fait, il ne faut pas en faire un fonds de commerce politique pour lier ça à l'IDPS. C'est vraiment, Obalobaka, la bassesse la plus absolue de la politique. De deux, Toké Nassénissement, la ville de province à Kinshasa, c'était la coopération entre l'Union européenne et la RDC. C'est l'Union européenne qui finançait. Et puis, il ne s'agissait que de Gombe, de trois communes seulement, pas Kinshasa. Aux informités, voilà comment tu es moins sérieux en politique. Deuxième de choses, allez dire à Kimbuta, si je mens, il vous dira, votre monsieur Kabila a joué un hélicoptère à Matissier, le Colata, la salité navire à Kinshasa. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Monsieur, madame, Daniel Bumba a eu le pouvoir au IDP Sazoloba avec 3 400 000 tonnes de déchets. Société Nature Albarak Bakangite. Les pourparlers sont là pour mettre des usines à transformation. Ah. Messieurs, il y a des déchets. Ça, c'est un investissement lourd. Non, j'en arrive. J'arrive. Ils sont des parlers. J'arrive. Madame Banga est belle, mais madame, comment je parlais? C'est monsieur. C'est monsieur. Il m'a taxé de. Messieurs, soyez sérieux. Daniel Bumba, gouverneur de la ville que je salue. Aujourd'hui, madame, nous parlons. Quand on prend des génies militaires, ici, Babengango, 14e région militaire, ici à Kinshasa, on peut recourir à la police et à l'armée. Il n'y a pas de problème. Cela ne veut pas dire que l'effectif qu'on a pris pour balayer, et si c'est effectif d'armée. Moi, je viens de le voir aujourd'hui à Gombe. À Kitambo, magasin, partout, ils sont en train de faire le travail. Daniel Bumba a commencé par le dragage de rivières. Daniel Bumba a commencé par, comment dirais-je, évacuer des caniveaux. Daniel Bumba a commencé à travailler aujourd'hui, parce que ville à Kinshasa est très sale, je suis d'accord. D'ici 15 jours, et aussi là déjà, c'est maintenant, Moutonio Soazan n'est pas venu dans Zela, il faut balongola yango pour travailler. Mais ma foule n'est pas dans Zela. Je suis tout à fait d'accord, madame. Mais foule en est à 3 millions de tonnes. Et puis pendant Longolan, il nous faut combien? Une année. Il y a déjà une centaine de véhicules qui sont disponibles. Donc, laissez Daniel Bumba travailler. 6 mois après, tu es en train de travailler. On le laisse travailler, mais une fois, Mboule Bétine, tu es retrouvé. Mais Mboule Kobe Taraka, quand même, dans des pays aussi urbanisés, il y a des inondations. Mais cela ne justifie pas que Daniel Bumba au travail, il va travailler. Laissez-le travailler. Il ne faut pas chercher des poux sur des têtes des gens comme ça. Très bien. Donc, c'était pour dire ça que. Laissez Daniel Bumba travailler. 6 mois après, Tozong en Abinawa, nous allons discuter sur l'assainissement de la ville province de Kinshasa. Okay. Voilà. Tozong, continuer à quitter sur terrain pour nous avoir une solution. Et nous avons une solution. Session ordinaire, il y a mois de septembre, nous avons une priorité de priorité. Priorité de priorité, nous avons un budget. Le budget est déjà un budget. Déjà, tout le temps mobilisé au moins selon la prévision budgétaire 17,7 milliards de dollars pour 2025. Il y a un cadre de programme et il y a un cadre de vision à Tata Mokambi Ekolo. Joseph Mbenza est toujours bandana, bon, toujours dans mon amour à opposition, la priorité de priorité. Ce qu'il faut que tu aies le budget ou les alliés pour bandana, mboula ou. Et cause la Nini Penza. Selon Vision Tata Mukan. Merci madame. Le budget est bien dans la notion et la finance publique. Ce sont des prévisions. Ils ont la prévisionnelle. On peut
atteindre le budget, tout comme on ne peut pas atteindre, tout comme on peut dépasser. Cela dépend de la conjoncture économique interne et puis à l'externe. À l'extérieur, il faut savoir que dans ces budgets, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs endogènes, c'est-à-dire internes, exogènes extérieurs. Donc tout cela va de soi. Étant donné que la mobilisation du budget, ça commence par le ministère du budget qui réunit les conditions et puis le ministère de finances, ainsi de suite. Je salue ici Madame la Première ministre qui est allée au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale s'entretenir pour respecter la procédure avec le président et l'Assemblée nationale, l'honorable président Vital Kamerhe, où il a Kengaki déjà déposé ils apparaient au gouvernement par rapport au budget. Ici, il n'y a pas à battre en brèche. Je vois dans les réseaux sociaux, dans TikTok, les voix s'élèvent pour dire que non, madame la première ministre commence à combattre Constant Mutamba. Ça, c'est aussi bêtise, les autres, maman. Madame la première ministre ne peut pas combattre son ministre dans le gouvernement. Ça, c'est une précision de taille. Alors, quand il y a budget Oyo, vous avez d'accord, vous avez raison de poser la question, il y a ma priorité. Mais priorité, il y a mini balai. C'est-à-dire la situation de l'Est qui est prise en charge dans ce budget. Le deuxième facteur, c'est le social des Congolais. Dans le social des Congolais, on a le gouvernement, dans la session budgétaire au septembre, à mettre beaucoup plus accent sur l'économie. Parce que qui parle social parle de l'économie. Il faut une bonne économie et le gouvernement, avec des études approfondies, avec diagnostics approfondis. D'ailleurs, ici, pour moi, l'occasion de saluer le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui en ce moment, nous parlons... Peut-être pour éclairer la lanterne de Congolais. C'est-à-dire le modèle économique au bus autoponant la Congolais, économie libre de marché. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans un pays communiste où l'État fixe des prix. Nous sommes dans un pays où un importateur va acheter la marchandise, mais il faut que ma structure, il y a ma prix, et compte en compte, et puis à fixer prix naïe. Mais ministre ayant en charge l'économie, il faut appeler cette autorisation naïe. Mais il s'est fait que, depuis belle lurette, et que le ministre, c'est ça son cheval de bataille, son combat, Bitumbape Bandi les sous, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des taxes et il y a des rubriques qui entrent dans la structure des prix où ils ont échappé dans le contrôle et au gouvernement. Alors la décision a été prise, il y a carrément qu'on suspendre, qu'on annuler, qu'on arrêter Babilo Kouana. Pourquoi? Parce qu'il y a sous-facturation de produits de première nécessité, surtout les agroalimentaires, où ils sont tenus par des Indos et Pakistanais, dont les Congolais sont des tenanciers de ces choses-là. Je vais le révéler ici dans cette émission. Avec tous ces supermarchés que vous voyez ici, ils nous facturent 15 fois plus que le prix normal. Donc voilà la réalité. Donc le ministre est en charge de l'économie. Dans ces budgets ici, le combat est que, parce qu'ils sont en pourparlers, parce qu'ils ne peuvent pas imposer, mais ils sont en train de parler avec des importateurs pour qu'il n'y ait pas de choc. Que Bandeko, total à non quand même. Bino Biloko Boche Bobi se reconnaître en haute. Mais Bino Boretenu, on a la structure, on a pris Bino Biloko et Mati. Nous avons ciblé 8 produits stratégiques. L'osso, Massangu, tous les autres, chinchard, poulet, viande, sucre, tout ça. Pour que, Congolais, selon l'étude du vice-premier ministre, 70% de Congolais, pour que ça ait accès à la nourriture, mon code descend de manière aussi facile. Donc, il y a un moment où ils habitent Tumba, le 4 septembre, pour qu'on en arrive. De l'autre aspect, les choses, c'est la poursuite de la gratuité enseignement qu'on doit implémenter. De l'autre côté, c'est la poursuite des constructions des routes. Parce qu'au moment où nous parlons, les routes sont en train d'être construites comme jamais dans ce pays. Ça, je vous le dis. Je peux même le dire ici de manière linéaire. De 1960, Beige Akei, Tina 2019, madame, aller consulter les archives au niveau du ministère des ITPR, on a construit moins de 10 000 km de route sur le 64 000. Allez, je ne parle pas de chimères. Et en six ans, vous comptez combien en de 6 ans, aujourd'hui, nous sommes en train de faire mieux que ceux qui ont construit avant. Combien de kilomètres? Je vais donner comme ça, combien nous sommes déjà. Au moment où nous parlons, Chikapakamouchak est en train d'être construit. Au moment où nous parlons, il y a construction de la route Kamba-Mbazangourou. Au moment où nous parlons, nous sommes en train de construire la route Tché-Lamanterne. Au moment où nous parlons,
sous Félix Tshisekedi, Boma Mwanda est construit et asphalté. Jamais auparavant, parce que je suis de là. Au moment où nous parlons, route Kamanyola Bukavu Nyengezi est en train d'être construite. Au moment où nous parlons, Solwezi Kolwezi est construite. Au moment où nous parlons, donc partout dans la République, selon les prévisions, dans le 3 ans qui vient, le Congolais seront capables de quitter Banana jusqu'à Bukavu. Vous voyez? Parce qu'avec le contrat sino-congolais, ce qu'on a capté comme moyen. Parce que, bah, vrais Congolais ont négocié, parce que le régime de M. Kabila nous, nous a foutu dans la merde. Aujourd'hui, les routes sont en train d'être construites. Aujourd'hui, il y a 200 km de rocade sur le la périphérie de Kinshasa. Je vous invite d'y aller, mais c'est extraordinaire en quatre bandes de 200 km. Donc, vous voyez, donc cet élan de construction de routes ici, c'est pour cela. Je demande au ministre d'État, ministre des IPTPR, il faut communiquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut communiquer sur ce qui est fait. Vous comprenez? Donc, le budget a pris en charge. Et puis, sur le plan, il y a sécurité. Ce budget prévoit encore des efforts importants pour l'acquisition des achats des armements. Il vous souviendra que le ministre est en charge, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Guy Mouadian-Vita, a signé, pas un protocole d'accord, a signé un engagement ferme du gouvernement chinois-congolais, parce qu'aujourd'hui, nous avons accès à acheter des armes sur le marché des armements stratégiques en Chine. Donc, vous voyez, tout ça, ça va dans le sens de consolider ce budget qui sera présenté pour sécuriser 2 345 410 km². Un autre aspect encore dans la défense, c'est le recrutement encore accru de militaires. Parce qu'il vous souviendra que M. Joseph Kabila, en quittant le pouvoir, nous a laissé avec une armée de moins de 120 000 personnes, avec une superficie de 2 345 000 km². Nous sommes en train de progresser vers 200 000. Pour protéger la République démocratique du Congo, il nous faut plus ou moins entre 500 et 1 million de soldats. Vous voyez, aujourd'hui, on a une police qu'ils nous ont laissé, ces messieurs de kabilistes, vous savez, qui ont été recrutés, des criminels et des bandits de grand chemin. Aujourd'hui, avec le gouvernement Tshisekedi, on a recruté 13 000 qui sont en formation, des gens qui ont un diplôme d'État, parce qu'un policier doit être quelqu'un, un pédagogue, mais eux, ils ont ramassé des prostituées, ils ont ramassé des enfants de rue et des rebuts de la société, aujourd'hui, qui nous créent des problèmes. Donc, pour voir que dans ce budget, il y a des efforts qui sont fournis pour aller vers 17,7 milliards. C'est déjà un effort supplémentaire. Qui vous dit à l'époque de Joseph Kabila les entreprises fonctionnaient? Mais au bout, ça n'est que pendant Joseph Kabila qui va réformer l'entreprise et salami avec Copirep. Mais c'était pour détruire des entreprises. Beaucoup ici, entreprise commerciale. Mais je vous informe aujourd'hui que certification, il y a Congo Airways va jusqu'en 2025. 2025, sous Joseph Kabila, vous avez parlé de Transco. Mais M. Joseph Maki, la vice-premier ministre, ministre des Transports, il a laissé 44 bus défectueux. Très bien. Mais sous Félix Tshisekedi, je conclue par là, sous Félix Tshisekedi, Didier Manzenga, ministre des Transports, l'État congolais a commandé 440 bus. Aujourd'hui, les bus Transco sont produits en RDC et livrés de bus ici en RDC. Combien de bus déjà? Aujourd'hui, nous sommes déjà entre 50 et 100 bus livrés à Transco. Ça c'est à vérifier. Non, pas à vérifier. Je donne des chiffres. Ici, à la 12e rue, vous êtes journaliste. Et puis ici, je salue le ministre du portefeuille. Aujourd'hui, vous avez vu déjà, Onatra commence à aller vers Kisangani avec la navigation sur le fleuve. Il y a 2 000 tonnes de marchandises qui a quitté. Aujourd'hui, le trafic ferroviaire commence à reprendre du Congo du côté du Congo central. Ici, je salue le DG. Vous voyez le Congo du bon côté pour vous, tout va bien. Non, je dis des choses qui marchent, c'est que vous avez posé la question. Je salue le DG Lukusa. Aujourd'hui, Onatra commence à renaître de ses cendres.
Voilà les actions. Aujourd'hui même la CADECO, je salue la directrice générale de la CADECO, qui est en train de devenir la vraie banque pour le Congolais, les fonctionnaires de l'État. Je salue le ministre Jean-Lucien Boussa. Donc c'est pour dire que nous avons hérité des entreprises boiteuses, mais petit à petit la thérapie, oui, peu s'amie, les entreprises commencent à arrêter. Qu'en est-il de Congo Airways? Congo Airways, ça ne fonctionne presque pas. Mais expliquez ce que... Dans nos zones, justement, dans nos zones, dans le monde, dans Jean-Paul Kazamba, le Congo au mieux, sous Félix Tshisekedi, c'est l'un des cours. Joseph Mbenza, ma priorité, selon eux, par rapport à Bidjo et Saliko Kota, dans mon salle, 17 milliards, toujours battre de plus en plus record, au-delà du fait que Bino Boutique a mis sur 4 milliards. Priorité. Yambula ou Ezoya, c'est non, et c'est anglais. Malouambo Kawayo. Je souhaite pour que je me dise que je me dise na sepena na transparence de combien ndenga zo contre quand même que kabila tchaka mboso tona ki sasa te mais zaki musa ebando sa ma partenaire na union européenne à reconnaître ngo au moins ne ba ka bon mentir qui vient de loin au moins de kotunier banzela bon bosa na ksa bandi kotanga na bamboka basali nzabo batseli nzabo me kotela bosse qui le vu l'exasa de kwezali bi babiso to zaki na bituka. Bien que ça, tout le monde est là, il y a une cité pour ta ville, il y a un grand centre-ville. Tout le monde qui est à boulevard du monde est là. Tout le monde qui est boulevard du tranche est là. Nous avons des bandes de condé, il fallait de l'avant de la ville. Nous avons des gens qui sont déjà là. Quand il y a un budget, quand il parle à la télévision, c'est comme si il y avait un pouvoir de Sikoyo. Nous avons d'abord évalué le gouvernement 100 jours après. Quand j'ai dit, si nous avons 100 jours après, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Nous avons des wapi. Mais à part, on a fait que nous avons un chef d'État qui a 5 ans dans la carte de Kozi et qui n'a rien foutu. Parce que nous avons 5 ans, c'est comme si nous avons un chef d'État. Alors que nous sommes en face d'un régime semi-présidentiel, où vous avez un chef de l'État qui préside le Conseil des ministres, ou Azali garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, on est en face de quelqu'un qui n'a rien foutu pendant les 5 ans au pouvoir. Rien. Mais est-ce que Ndekoyo Rouyev Sangaï? Est-ce que Makambo Yepte Ndekombezo? C'est farfelu. Makambo Lukuta, dans la télévision, boy. Ndeko Tifra, il n'a pas congé à reconnaître Ndeko Kabila. A tiré car même Moko, structuré et civilisé. Où est-ce qu'on va combattre? Est-ce que tu vas bien en haut? 5e na 4 en Afrique. Où on a des questions? Il y a moi qui reconnaîtra en haut. Ndeko Kabila n'est pas qui bon congé. Ce qui est ça, bah, oh, il y a des pesos qui ont belé. Moko ici, il disparaîtra. Bah, on va rendre ça, va faire ça, il y a qu'on gagne, on a qu'on finit, on a qu'on critique. Mais ce sont des gens qui sont dans la matière et ils sont nuls. Ce qui n'est pas gagne, ce qui est pas gagne, ça va faire ça. Mode de gestion, il n'y a pas de temps pour la musique. Noir sur blanc, aux autres contrediriez et si cani. Nous avons contrediré d'abord ici, nous avons le baquet. La police est un criminel, un bandit. Nous avons une police, formée par l'Union européenne. Ah bon? Mais oui! Formée par l'Union européenne, par l'Union européenne. Police, il y a une bavure, il y a une belle, belle, il y a formé. Mais est-ce que vous avez bien voté? Nous avons lui-même, c'est quand il a eu le pouvoir. D'abord, quand bosse dans la tête, la question vous posez, exemple, il tout dans mon camalam. Ndeko Kabila il y a qui a joué beaucoup. J'ai écouté qui a remetté. Armes à qui a sous des dagues au coufa. Écouté qui police n'est pas ce que vous dites qui police n'est. C'est lui qui s'est bâti pour être armé et fondatif le long des Zawana. C'est lui qui a bâti la police n'est pas fan yuan. Mais n'est pas toi l'ingba yako bon police et ça bango. Tout dans la dégénin. Le temps que tu as la police, tu as la milice, force du progrès, comme peut-être police. Ou pas au Kangara pe battu. Ou pas au défier pe police. Que police par exemple, à quoi quand battant sous siat, force pour y baye barraché batouana. C'est sous la justice bambenza. Kabila tiri police et fanda. Armée et fanda. Mais Bangonde, Bazo, il y a des mystères police d'Abiso, Bazo crée milice d'Abango alors qu'ils sont au pouvoir. Et de quoi ça, parce que Makamouya, Bakouta, Akouta, il y a une entreprise qui a boité.
Mais monsieur, il faut avoir honte de dire des choses comme ça à la télévision. Toi, tu te dis, tu es responsable, mais il faut que tu aies parce que tes enfants sont en train de te suivre. Non, il y a évité que. Non, moi, je ne dis pas que Kabila Tiré est beaucoup rose. Maman, madame, non, je serais menteur esco. Peut-être moins sérieux, peut-être comme lui. Mais quand même, il y a des choses que Kabila Tiré qui ont besoin. Bato, ceux qui ont besoin de vos causes, tant qu'il y a de l'avant. Mais budget. Kabila Tiré qui. Congo Airways. Oui, écoute, qui te passe, Kabila, nous avons eu la chance, il y a autant de vie dans ma papa Nabisho. Kabila, eraye, à quoi tu sont tracés? À quoi tu s'y traites? Oh, ils ont un excès, vous voyez bien? Ils ont la quitté. Aïe, à ton moni transco. Transco, on est là qui sont dans le temps. Donc, on a transport, on a balé, on a l'emba, on a zarawana. Musique, ils ont bête à bozo. Ils ont mon appena que ma camo, ils ont changé. Mais monsieur, de quoi tu parles? De quoi est-ce qu'on parle, monsieur? Yo, quand on a soigné la télé, le bilan, on a. Ma transco est la qui ne connaît pas les autres tambours là. Kabila sous son règne. À la moussa qui on attra. Ah bon? À la moussa qui on attra. Entreprise publique. Il te plaît qu'on connaisse au Longwa. C'est parce que moi je vous dis des choses. Et si Kala Ezaki en bon état, donc Tata Kabila Azokende. Kabila Tiki Congo Airways. Kabila Tiki Transco. Kabila tiki onatra ko bosa na teke onatra o tika ki bato ezo ngwa ki sa zo ke netiki sangani na ba restaurant na kati bat bazo lia bazo me la réflexionner pe pa neuf sou matata pon tanto yo ko bosa peut-être zo ko bosa to mon ba kenra zela mai atiki armée atiki police tous ces entrées ont été détruites sous di sekedi ça veut dire que bison de konanga maman Naomi le loyo na mboka oyo muta ko c'est-à-dire régime oyo. Il faut avoir un mouton, un tambour, un mouton, un mouton, un mouton, un mouton, un mouton, un mangeoir. Qui ne sait pas que le pays ne marche pas comme cela n'a jamais été le cas? Qui ne sait pas que Tisré est le piètre de présent que ce pays depuis que le Congo a commencé d'exister? On avait Mobutu. Mobutu n'a pas été comme. Aujourd'hui, le pays est réduit en veillant au Conseil des Nations sous l'IDPS. Attends, là tu fais ce que je vais faire la télévision. Je connais Naomi, Omoni. Moi, ça me fait très mal au cœur. Vous voyez, tu as là, je vais faire la télévision. J'ai dit, tu n'as pas de porte. Mais c'est ça le désordre. Ce sont des gens qui n'ont pas été appelés à gouverner. Babo Sotowana. Mais ça s'est dit à la télévision. Ça s'est dit aussi. Il y a un monde qui a battu dans la prison à Makala. Il y a deux ministres, contradiction, vice-ministre. Bah tu vas couper mes balais, mise en terre au hôtel, bah couper 129. Car on a gouvernement mokoana. Besoin de quatre y'a gouvernement moko. Donc Madame Naomi, Makambo yo tounye question moko malam mobi na sous matat ozagi na $4,000, tout mona 4 milliards, tout mona qui boite. Bino besoin bato ils ont ça biso passe na bah 10 milliards, bah 20 milliards. Malheureusement que les 5 ans qu'on a fait, vous n'avez rien foutu avec tous ces chiffres. Comment on peut encore vous croire? Madame, on évalue un opérateur politique non pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. Yo moko yebi tout d'abord que bato et ceux qui d'abord pour le tout na 2018, bazwa ki na bango te yo yebi yango bien. Ah ouais, zaki ndé par tricherie. C'est-à-dire que baza bato moko oyo na mboka o IDPS. Et loko ba sale na mboka o ndenge mboka za ko kufa boy. Kabila tika ki bonaka na boko ya rebellion to so la ngome kutu ya akuta ki mboko divisé par 4 et puis je doute fort na baye compétent boye que ti ba ko suka ka manda ba ki peke bonaka je doute fort mais c'est notre pays, il faut souhaiter. Non, mais je souhaite ça, mais non, je dis par rapport à ce qu'ils sont. Moi, quand je dis ça, ce n'est pas que je suis en train de me réjouir. Mais je dis que Kabila a fini dans la télévision. Kabila a divisé par 4. Ce que c'est la bango, mais le mot est ici, Kenda.
Mais à Sali Bakasi, moi, j'ai 22 ans. Tu sais que j'ai un pouvoir plus de 60 ans d'âge. Aïe, tu es un mot qui Mobimba. Mobimba. Le nom de Kati Kati, mot qui est là, c'est ça. J'ai très mal. Ça me fait mal. C'est notre pays. Moi, je suis patriote. Mais dis que dans Batu Oyo, si on a tiré le bango sur 5 ans de plus, mot qui va disparaître. Et puis, il y a tout est rouge. Vous voyez bien, madame Naomi. Peut-être que Sonia Télévision, mais attends, ok, dans un aparté. Vous voyez bien, vous voyez bien, Moka Oyo. Je suis en train de me répéter et je ne cesse de les redire. Que Kabila Tika est Moko paradis. Mais tu vois, et si il y a Tika la Kiango, surtout dans la partie Moko et Zali conscientiel, on passe dans la notion de gestion des choses publiques. Mais tout ça, vous voyez. Très bien. Mais Moko, on est l'élo Oyo. Tosongisima. Merci beaucoup. Donc, bayende ko kunda yango pe baza kati ko konti ya ko kunda yango. Merci mwana mboka matondo mingi ndeko tozonga kuna na ngambo ya parlement bisika wa plutôt apprendre ke bena ba député ba honorable ole bazonga na ba chef na bango pendant vacances parlementaires ba kenaki na bango na mikili ya poto conséquence to tala ba rapport na bino ba image na ba base na bino est-ce que vous kozala à mesure ya ko expliquer ba désirata ya peuple poto ye ba nini penza za priorité pour na session. Surtout dans les Alikoya, dans les Alikoya 2025, on a la prévision budgétaire. Ni ni pensa estengeli et bien abato. Na place à qui n'est mboka albi a préféré que n'aie comme la kuna na extérieur et mboka. Et ça n'est vraiment pas si tokoli qui a que bao bakenda qui basali rapport à malam pour la bien-être et population. A témoin n'a ni opona qui n'a ni opona lobby pour n'a venir na yon deco. Joseph Mbenza rapidement Congo ROS yambo tozoa au sujet ya souka. Le cambétal du droit de l'homme. Merci. Félix, piètre de tous les présidents, Batoyo. Vous savez, quand je dis ces messieurs politiquement moins sérieux, j'étais conséquent. Comment il parlait, je ne disais rien. Parce que je savais que j'avais tout le moyen de vous rencontrer. Ouais, je veux parler de M. Joseph Kabila. Parce que vous avez parlé de M. Félix. Vous permettez. Parce que vous ne l'avez pas retenu. Je vous regarde droit dans les yeux. Vous nous parlez de monsieur qui a 29 ans qui a pris le pouvoir. Aïbi même pas qu'il avait 29 ans. Aïbi 22 ans. Donc, donc vous ne maîtrisez même pas la personne de monsieur Joseph Kabila. Je vous mets au défi. Dites aux Congolais avant 1996 les traces de monsieur Joseph Kabila en RDC. Madame, ne m'arrêtez pas s'il vous plaît. Les traces de monsieur Joseph Kabila avant 1996. Deuxième de choses, il a pris le pouvoir. Il ne savait même pas parler français. Parce que vous avez qualifié Félix de piètre de pouvoir. Je vais vous parler. Quel est le rapport? Le rapport avec comment il a géré le pays. Attendez, j'en arrive. Il ne savait même pas s'exprimer en français. Deuxième de choses, monsieur Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, madame, ne m'arrêtez pas. Toute son identité, c'est farfelu. C'est de montage de toutes pièces. Il y a même des témoignages. Non, ce n'est pas vrai. M. Ngwanda, il n'est pas de l'IDPS. M. Milngoï Moukina, il n'est pas de l'IDPS. Même le fameux Joseph Kabila qui a dit ils sont devenus membres de la frère de famille de Laurent Désiré Kabila en 1997, n'est pas de l'IDPS. Même John Numbi qui a parlé que Maman Sifa n'est pas sa maman et que sa maman serait Marceline, n'est pas de l'IDPS. Ne nous amenez pas ça. Monsieur Ayen a pouvoir. Madame, parlons-en. Ici, je parle sous réserve. On va parler de l'ONATRA. N'a qu'un non-ONATRA. Habit quand, monsieur. Obi que l'ONATRA est à Pemene, on peut te crucifier. N'a pas agent à ONATRA. Président Oyaye a fouti ma retraité. Il y a ONATRA. Il s'appelle Félix Tshisekedi. La cérémonie s'est faite ici en direct à la RTNC. Sous Joseph Kabila, bateau ONATRA. Parce que nous vendons la site News ONATRA. Combien ont piqué des crises parce qu'ils n'étaient pas payés, ils n'étaient pas retraités. Sous Joseph Kabila, 384 000 agents non retraités. Tu parles de Matata Mpone avec un budget de 4 milliards. Voilà le résultat de 4 milliards. Le dernier agent public de l'État à être payé, emmené à la retraite sous Matata Mpone, c'est 2 000 $. Mais sous Félix Tshisekedi, c'est 8 000 $. Et puis, ça ne suffit pas. Regardez le côté social. On déverse tous ces agents publics de l'État à la CNSAP, la Caisse nationale de sécurité des agents publics de l'État. Là, il est payé jusqu'à sa mort. Même sa famille bénéficiera de ses services après sa mort. Ici, il n'a même pas cité ce que M. Kabila fait pendant 18 ans. C'est 6780 jours, s'il vous plaît, que ce monsieur a dirigé ce pays. Les agents publics de l'État ont accumulé 220 000 NUNP. Aujourd'hui, madame, il n'y a que moins de 20 000 qui sont restés
200 000 ont été pris en charge mécanisés par l'État congolais. C'est sous Félix Tshisekedi. J'en arrive encore. Madame, sous Joseph Kabila, allez vous renseigner. Combien de fonctionnaires de l'État à l'EPST étaient mécanisés? Mais sous Félix, c'est 73 000 qui ont été pris en charge par le budget de l'État. Madame, je vais encore très loin. On va parler de droits de l'homme dans ce pays. Sous Félix Tshisekedi, moi je suis de route. Asosa, Birmanie, Kikwit, Nzolana, Route de la Paix, Terre Jaune, Route Sekomaf. Allez voir ce qui est en train d'être fait. C'est sous Félix Tshisekedi. C'est sous Félix Tshisekedi, nous avons le plus grand hôpital de l'Afrique centrale en construction. Hôpital Mamaemo, construit il y a 120 ans. C'est sous Félix Tshisekedi qu'on a réhabilité, construit l'hôpital Jason Sundo au Katanga. Je cite des hôpitaux de référence généraux de l'État. Sous Félix Tshisekedi, à Mwangezi, au Lualaba, qu'on est en train de réhabiliter, construire l'hôpital général pour les Congolais. C'est sous Félix Tshisekedi. Vous n'avez acheté et construit que des biens privés. Sous Félix Tshisekedi, monsieur Joseph Kabila, président de son État, 18 ans, il quitte le pouvoir. Il laisse à son successeur même pas un palais présidentiel pour un président sérieux. Mais à Tikela Ndaku Moko, il y a chambre, mi balai, dans salon, dans salle de bain, dans cuisine, comme un jeune marié qui veut se marier. Ça, c'est monsieur Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qu'il a construit? Kingakate Kachamata. Ils disent aux Congolais, quelle est la résidence officielle du chef de l'État que sous Joseph Kabila, et il a construit? Madame, je vais encore loin, je parle maintenant de militaires. Monsieur le Kabiliste, dites aux Congolais, quand Tchatchi, là où gardait les militaires de monsieur Joseph, là où était logé la garde républicaine, dites aux Congolais combien de fois monsieur Joseph Kabila est entré au camp Tchatchi. Olibatunde ni bando kufakuna, ici je parle sous réserve de militaires de camp Tchatchi. Ceux qui osa sodo kufeli moana, bako cotiser ma baya ba chantier inachevé, moni ba chantier na ba coffrage, bako sa la cercueil à moana, ba tche ba kekunda. S'il vous plaît monsieur, sois sérieux. Je parle du camp Tchatchi. Le président de la République a construit un hôpital tertiaire. Vous savez ce que c'est un hôpital tertiaire? C'est-à-dire, à niveau, il y a l'icolo. C'est-à-dire où les militaires de la garde républicaine, les militaires vont aller se faire soigner. Ils ont une morgue. Ils n'avaient pas de morgue. Pour nous, le camp Tchatchi, ceux qui m'ont accouffé, faut pas qu'on ne coune sikos, une autre opola. Madame, je l'arrive. Le col qui est construit là-bas pour les militaires. Madame, sous Joseph Kabila, le rentier des militaires, peut-être a bien été. Le rentier, à combien vous agitez? Le rentier des militaires avait combien? 30 000 francs. On dit rentier militaire, c'est-à-dire maman, aux ma pinga, ceux qui ont été, papa, nous avons 30 000 francs. Mais sous Félix Tshisekedi, ça varie entre 250 et 300 000 francs aujourd'hui. Si vous avez dit que Félix a sali et loco, tu es de Bosali. Mais tu n'as pas dit aux Congolais, Bosali Nini, en 18 ans, 6780 jours, en tant que président de la République, dites aux Congolais les routes que vous avez construites. Dites aux Congolais. Moi, je vais vous défier. Moi, j'ai parlé de routes qui sont construites. Parlons du Katanga, la Jekamine, la société, d'ailleurs, ça, je n'ai pas perdu. Bosaba qui dit en fouka, bon, fouta rambongote. Ah, na batete là. Vous êtes sérieux? Madame. Congo Airways. Allons, madame, Congo Airways, le capital, elle dit même pas comment a été construit le capital de Congo Airways, vous savez? En une minute, rapidement. On a pris l'argent dans Sonas, dans l'entreprise, il y a l'État. Au Lelo, ils ont réclamé Mbongo dans Bango, dans une entreprise, ils ont constitué fonds. Maintenant, on peut nous acquérir une nouvelle Guinée, Papouasie, nouvelle Guinée. Il y a qu'à place de son avion d'occasion. Il a acheté en cash. Dans le mode de gestion actuel, les avions sont achetés à leasing. Ayebinangote leasing, c'est-à-dire par prêt avec une longue durée possibilité d'achat. Vous comprenez? Congo Airways Basaliango. Le nombre pléthore, il y a des travailleurs. L'entreprise ne pouvait pas supporter la charge. Donc cette entreprise, dès sa naissance, dès sa conception, était déjà vouée à disparaître. Vous comprenez? Donc, moi, je ne suis pas. Je suis un Tshisekedi. Ça tenait quand même. Mais ça tenait pendant combien de temps? Premier voyage inauguré, il y a Andoï Tenengapeta et Tikalakuna. On a acheté combien d'avions? 4 avions. Mais tata Mokabeko, la Kaki Bavion, ils arrivent. Je vais vous répondre. On a acheté 4 avions. Inaugural, 2 avions. Koufaba Tikalakana, 2 avions. Qui n'ont jamais connu de réparation. Mais c'est sous Félix Tshisekedi qu'on a envoyé ces avions. Pour être checké et réparé et retourné. Je suis contre. Moi, je suis soutenu par la mégestion. Que tu sois de l'UDPS, que tu sois de l'Union Sacrée. Mais je me rends compte, les directeurs généraux qui ont géré Congo Airways n'ont pas été sérieux.
Il faut le dire comme ça. Il faut le dire comme ça. Mais c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Le ministre est en charge le transport dans ses attributions. C'est ça son travail. Je vais donner aux Congolais l'explication. On devait créer Air Congo, Air Zaïre. Je vous réfie, je vous réfie. Jitango Mingi. Tozwa image, avant Tozonga, autonomisation de femmes, maman Aziza, ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, et bien qui va couper sa certificat, maman Aléwana Kinshasa, ou Bibisika, formation, moko et salema qui n'a pas été entrepreneuriat. Donc prenez-vous en charge. Dans le sens où on a droits de l'homme et situation et opposition dans le cannabis. Dans le souci de soutenir les relèvements socio-économiques des femmes et jeunes filles restauratrices des collectivités communément appelées Mama Malewa dans les jargons quinois. Avec le soutien de la capitale Bruxelles et la commune de Barumbu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a remis officiellement les certificats d'achèvement des formations théoriques aux femmes et jeunes filles qui ont suivi un encadrement sur l'entrepreneuriat. Nous nous manquons de mots parce que c'est vraiment un honneur pour les mamans, parce que Son Excellence la ministre, c'est une femme qui a évolué dans le secteur social. Elle sait par où nous passons, les difficultés que nous rencontrons, ce n'est pas facile, je vous dis. Elle a beaucoup de choses à faire, mais elle se déplace en semaine pour venir honorer. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce projet de 2 ans porté par l'Action pour les développements durables vise à valoriser l'initiative des femmes et des jeunes filles, à les encadrer pour une formation qualifiante et la ministre des Affaires sociales salue les efforts. Nous avons la grâce, mais moi je veux parler de la faveur de Dieu d'avoir un président qui croit à la valeur de la femme. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mobetelana Maboko. Je suis bénéficiaire de la masculinité positive parce qu'aujourd'hui, nous vivons ce que le Congo n'a jamais vécu pour maman Ozokumba, Mokana Bisso, Mobetelanan, premier ministre de la Bisso, chef du gouvernement, Judith Sidouna Kiruka. Et je tenais vraiment à vous encourager. Moi, je crois à la femme qui a la confiance en soi, sa vision, sa conviction, sa détermination, matérialisation et en gros, aujourd'hui, ma diplôme, beaucoup de plus sale. Vous êtes ma maman. L'Action pour les développements durables contribue ainsi à la santé communautaire et environnementale. À la sortie de ces femmes et ces jeunes filles de travail informel, elles deviendront ainsi les actrices des développements durables de la RDC et contribueront à l'émergence de la classe moyenne. Voilà, de retour sur ces plateaux, dossier droits de l'homme. Démocratie sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to landi mikolo miuti koleka kino lelo ndeko set kikunya kangamaki bazako lobedaye ke asalaki incitation na matali révolte civile pe propagation de faux bruit. Est-ce que la démocratie va bien sous Félix Tshisekedi? Est-ce que ba propos atena ke zali solo bongo to te ndeko opposition azana biso sur ndeko ya opposition azana biso sur ces plateaux et à sa moto il y a régime il y a Kala et bien n'est pas mal d'ailleurs que ça la régime à y a-t-il une différence entre le régime Kabila et le régime Tshisekedi en termes de droits de l'homme et démocratie? Mon amour Jean-Paul Kazamba, vous avez la parole. Merci Ndeko Naomi. Maintenant que zonga mon mouké n'a pas mon déco benza lobby au moins ma cam sous le banaté je vois au coup police dans zela salio ma bé et talio. Donc, il dit que ceux qui sont martyrs, il y a un régime, il y a un policier, il y a un soldat. Donc, il y a un coup de temps, il y a un commune super, un coup de roulage, il y a un déco. Il y a un monde qui est en télévision. Roulage, hein? Il y a un monde qui est en train super. Il y a un monde qui est en télévision. Il y a un bel abisso. Le régime est en train de se faire. Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a un monde qui est Ça, c'est un policier sous le régime qui nous dit. Avec Banda Kabila Kenda, ils sont incapables d'acheter. Il y a un policier dans la société qui ne fait que tenir pas pour balade.
Donc, quand on a vu la télévision, ça fait très mal au cœur. Le salaire qui est là, par rapport à un niveau de vie, c'est-à-dire que le salaire est une escroquerie. Si on a dit que les enseignants et les policiers, par rapport à un panier de la ménagère, c'est vraiment zéro, il n'y a rien. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de lobby. Ils avaient 100 dollars. Mais 100 dollars, il y a lobby. Par rapport, il y a pris coca, ils ont commis 500 fois congolais. Madame Kobos en a été. Mais le soldat a dit 300 000 francs. Le coca, ils en ont combien? 300 000 francs, c'est 100 dollars. Le soldat a dit 100 dollars sous Kabila. Le pays a dit à peu près 100 dollars, 300 000 francs. Mais dans 100 dollars, dans l'air, il y a des coca, ils en ont combien? 500 francs congolais. Le coca, ils en ont 3 000 francs. Ça, c'est combien? Ils ont combien? Ça, c'est combien? Ça, c'est 80 dollars. Ils ont plus de 300 dollars. Mais mon frère, vous avez dit que Ndeko, vous avez vu la télévision, vous avez vu la télévision, vous avez vu la télévision, même l'air CG Kabuya, vous avez vu la télévision, Kabuya avez vu la télévision, vous avez slogan de biso, il y a peuple d'abord, oh, papa et tient la télévision. Tout le monde qui a mis en IDPS. Ça, c'est un grand, un classique de l'IDPS. Que même est encore de moindres. Et pas une fois que nous avons comparé le ciel à la terre. Ça, c'est ce que qui le dit à la télévision. Abi que le slogan où il y a le peuple d'abord en IDPS, ils ont créé. On a CG en fonction de Kabuya. Mais quand un bête, quand on vient raconter des histoires, il ne s'en passe. Jean-Marc Kabound, à l'obéla Yango. Que ça ne marche pas, l'IDPS, le peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est l'IDPS, famille d'abord. Nani a bungi angon de konangai. Alors quand de quoi ça, qu'on défendre, je comprends, je le comprends. Mais ça passe pas mal. Quoi, il y a un macambo, il y a droit de l'homme sous Kabila par rapport à l'IDPS. Y a-t-il une différence? Il y a macassine de konangai. Quoi, il y a l'IDPS. Ils ont parti à l'OTI de PES, ils ont parti au Botami depuis 82. Ils ont fait une opposition qui ont beaucoup parlé sur le droit de l'homme. C'est-à-dire, les lois, comme ils ont comparé, IDPS n'a pouvoir, n'a Kabila n'a pas pouvoir. Ils ont ça la passe. Parce que IDPS, en prise, ils ont parti. Vous avez dit que les gens ont fait une fin, une fin, une fin, une fin, tu as vu que Kabila s'en a bien. Que l'axe à Boulumbu et IDPS. Que l'axe à IDPS, ils ont pamba. J'ai parlé de la sèche, de sous-vêtements, de pamba, de la sèche, de la biblique. Que le lot, à moi, dans 5 ans, il dépêche, c'est un parti qui voulait disparaître. Qui est un parti qui n'a pas la notion de la chose biblique. Mais toujours, ça est bien bon. Ndeko, si c'est que dit le père, il a travaillé avec Mobutu. Au moni père, il a travaillé avec Mobutu. Il a travaillé avec Mobutu. Il a vrai opposant à Mobutu. Soit Mobutu a bombardé Bango. Soit va qu'il y ait un exil. Mais le seul soi-disant opposant au Monaki, Mobutu a tiré à l'inazo, comme Matobut a arrêté avec RDC, et Zahé qui tient ici. Je vais prendre un livre. Parce qu'ils mangeaient ensemble et ils vivaient ensemble. Et Tien n'a jamais été opposant à Mobutu. Mais pas vrai opposant. Nazo qui n'est pas par rapport à Nazo qui n'est pas dans Chité, dans le cas où Bozo va faire Bruyouana. Mais par rapport à Bengaki, vrai opposant. Soit il les a battés. Soit il faisait l'exil. Tokozo a dit ça. Maramba. Tokozo a Kimba. Tokozo a Anani. Tokozo a Bamba. Tokozo a Pierre Moulele. Tokozo a Goudiakouban. Ce sont des gens. Wana Koutou, si c'est le père, Aza ministre de l'intérieur, Herbazo Bomarabatouana. C'est-à-dire que le vrai opposant, Mobutu, les tuer, soit il les forçait en exil. Nous avons une démocratie, nous avons une dictature et comment on a un côté. Et ça a un système. Ça dit une pratique politique. Et nous avons un lobby. Attends, nous avons un procès. Il y avait 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 un procès. Il n'y avait pas de gens qui avaient un procès. Il y avait un procès. Il y avait un procès. Il y avait un Il utilisait la justice.
C'est-à-dire que le procès est que nous avons fait un procès, nous avons fait un procès, parce que nous avons fait un procès. C'est ça maintenant que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce qu'on a combattu hier, d'abord sous Mobutu et sous Kabila aussi, parfois. Dans le cas où il y a des infractions, c'est ce qu'on appelle par exemple des propagations de faux bruits. Il y a ce qu'on appelle par exemple l'outrage au chef de l'État, crime de lèse-majesté. Mais il y a un et ça n'a pas mal dans ma pays où ils ont la démocratie et fanda. Dans ma pays où il y a une dictature, pouvoir politique a utilisé un point pour matraquer l'opposition. Comment ça atteint de quoi ce qu'on appelle liberté d'expression. Tant que vous avez dit propagation de faux bruits. Quand on parle de faux bruits, il y a un peu de temps pour le peuple. À déstructurer les cambo, à dénaturer, à falsifier. C'est ça ce qu'on appelle les faux bruits en droit. Toboïté. Nanyango, à cause de la kisake, les cambo, motalobi, et zayango. Procédure, et zayango, n'est pas dans le motango, boke n'a pas le kotaye, boke n'a pas le nez, afin de 12 jours, pour vous salaire boy. Non, madame. C'est-à-dire que, au moins, n'a pas le cardinal, n'a pas le mot une fois. Parce que c'est comme si j'y suis, c'est un mot à Oyo, et comme il y a pour nous qui parlons. Mais ça, pour nous, on va vous consulter. C'est ce qui s'est passé. Quand je m'excuse, madame. Sous votre régime, il y en a tout. Y a-t-il une différence entre le régime passé et le régime ah, mais comme il pire. C'est-à-dire que nous avons un chef de l'État, par exemple, où on a fait un flair dans le ministre de Babengi, par exemple, Mouibi. Tout ça, on a eu GFA, on a eu la Linguette. Au Congo, c'est que l'IGF est banal depuis 87. Mais avec Gilles Lenguette, on reconnaissant quand même qu'ils ont quand même vent en poupe. Mais quand Gilles Lenguette, par exemple, avec le ministre Boy, a sali sur facturation, dans une enquête, il faut que l'on soit là. Ils ont dit 71 millions, il fallait coûter 55 millions. Il y a une sur facturation de 16 millions de dollars américains. Oh, Nicolas, il y a un combo, on a détourné. Mais on voit des chefs de l'État aller à la télévision. Abi que c'est le hier ministre des Finances, Oyo Congo a mon an en tête depuis 60. Ça, c'est un président qui le dit. Même si cela pouvait être le cas, en tant que la présomption en Dengewana, que Balobi que Aïvi Boy, il en tant que garde de la débat fond d'élection. Magistrat, est-ce que tu peux dire ça? Lorsqu'il dit ça, j'y sais où ça sont dans Dengenin. Vous avez l'impression que les opposants sont exposés à la justice. La bêtise, c'est quoi? La bêtise, c'est quoi? La bêtise, c'est quoi? Non. Là où les bas blessent d'abord, c'est quoi? D'abord, c'est ça la dictature. Le fait que le pouvoir politique a comme qu'on utilise la justice pour ne pas faire naïe. Pour ce côté, depuis que tu sais, ça a beaucoup de choses. Est-ce que tu vas détourner les autres ça matin? Madame, sois quand même sérieux. Et bien, il y a ça sérieux. Sois quand même sérieux. Est-ce que depuis que tu sais, il n'y a pas de détournement? Mais dans le million, il y a des gens qui ont combien déjà ils ont arrêté? Mais si vous pensez à pas, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez créé le Komoko Oyo. Ambon l'avait dit une fois. Abi que ceux qui battent dans la rébellion, c'est aussi parce qu'il y a des frustrations. Non, écoute, madame, écoute. Et ça, Mboka Oyo, vous avez besoin de Bitumbate. Biso Boto, Biso Mandou qui n'a Biso, et ça, Maloba, on a fait ça Biso. Et ça, tu as un massage, tu as un bombe, tu as un char de combat, on n'en a pas besoin. La seule munition que nous pouvons avoir, c'est la parole que nous avons ici. Mais dans le temps, tu as besoin de l'abus sur le bâté. Et comme il y a un abus pour le bâté, quand Jean-Marc Abou dans la prison, parce qu'il y a un abus, il y a des millions, des tonnes d'argent, ils ont le monde qui s'en sort, ils ont des libans dans le monde. Nous avons des magistrats ici. Ndeko. Un magistrat, Nathan, tu fais avec nous, et bien, moi, et là, il y a un magistrat, il y a ce qu'on appelle l'indignation publique ou la clameur publique. C'est que, écoute, en tant qu'un opérateur politique, de non des moindres, il a droit à l'indignation publique, il y a un lobby. Mais écoute, ça, ce sont des bêtises. Ça, ce sont des bêtises que je ne peux même pas. Et ça va vous voir. Mais discours n'a rien à ces gens ici, ils ont dit des choses. Pendant l'élection, il y a eu même un gouvernement dans Kassai. Au son Kassai, aux hommes, nous battons, aux autres, c'est que Goyate. Ils s'adressaient aux Kassaiens. Mais quand nous avons une dame à la télévision, elle a fait un bateau. Elle
elle incite même les femmes de l'Est. Azawana passe à Zapo, parce que aussi maïté. C'est-à-dire que le nom de mon nom, j'y sais comme il y a faible, il y a un peu de l'Oba. Très bien. Ça fait très mal au cœur, madame. Dans ce ici. En 30 secondes, rapide. C'est-à-dire que Mboka Nabiso n'est pas tout ça, Boyawa, façon Moussous Oyo, opposant à quoi que ça a été, ce que l'Oba. Ça fait partie des règles du jeu démocratique. Ce qui est comique, le nom, pour Moutoua Lobby, il s'adressait au Katangé. Il faut que ça soit un peu. Nathan, vous avez dit que vous êtes riche. Vous avez une province riche. Mais vous êtes pauvre. Il faut vos silicats. Mais tu sais que le père l'a dit combien de fois? Lui, le Félix, l'a dit combien de fois? Il a fait soulever des gens combien de fois? À des villes mortes, à des débaissants civils. Combien de fois? Est-ce combien de fois tu as vu Mobutu l'arrêter ou Kabila Joseph l'arrêter? Merci beaucoup. On a vu Kati Sekedi, le père. Parce que c'est ça aussi, c'est ça qu'on appelle en science politique la tolérance politique. Merci, mon amour. Tout le monde a dit que Kati Sekedi a été dans le monde qui a été limité. Il y a des gens qui ont été limités. Il y a des gens qui ont été limités. C'est-à-dire que les gens qui dépèsent, ils dépèsent sur la bunda pour que Batouba soit mandou quitté. Le seul mandou qui pomme, on se voit conzi, et Zali Maloba, comme on va quand même, on va loba, bâtir que Batou, on va détourner un million de dollars américains. Moi, je ne sais pas toujours qu'il y a des gens. Parce que, les Camouins, écoute, c'est-à-dire que les gens qui sont quand même. Malamba luka ba chirije ba tonga biso pina boye kanga mane poto tiro biso ba moti a parler pepe ko tonja ba maloko ngonga malamboka ndeko Joseph Meza nazongela yo. Je suis choqué, j'ai été choqué. Oui, hier koyoka ba propos ya bino bato ya bino de paix ou pas union sacrée dire des choses sur le sur les opposants. Un tel Bakanga qui est pour ba violer. Un tel était pris par la nerf pour être torturé. Et cette Kikuni, Kobimane na ANR, il confirme, il demande même aux avocats de poursuivre Agia ANR. Est-ce pour ça que l'IDPS s'est battu pendant 37 ans? 10 minutes. Ce monsieur n'a rien dit. Je salue le secrétaire général, mon ami et frère Claude Ngoma, ainsi que le président Yvan Mondadi. Qui me suit en ce moment. Madame, vous relayez le propos des opposants et vous en êtes choquée. C'est ce qui m'intrigue. À la fois, madame, à la madame, fois de l'opposition et du madame, pouvoir. Je madame, sais qu'Olanda qui est en moment, ça l'assemblée qu'Olanda qui est en le problème avec moi, ici je salue mon professeur Rémi Bongeli qui m'a donné tacté à Woyoka. Vous êtes choquée de propos des opposants. Parce que c'est eux qui ont dit. Et vous êtes choqué, est-ce que vous êtes allé demander à l'ANR ce qu'il en est pour avoir l'équilibre dans l'analyse? Mais est-ce que vous avez suivi madame, la vidéo dont madame, je parle? La vidéo. Je vais épingler. Cette vidéo qui a choqué tant de Congolais. Moi, j'aurais. Il y a déjà Mogona Bangwa Salim Yakoupa, Bibi Kapinga, je cite ce nom. Une menteuse à la hauteur imaginable. Mais on vous a, vous nous avez posé des questions que c'est à Koufi. Pourquoi les gens n'ont pas demandé pardon? Parce qu'ils ont menti. Aujourd'hui, madame, c'est il faisait quoi pendant 12 jours à l'année? Madame, laissez-moi, vous l'avez posé la question, laissez-moi étaler. Je vous réponds. Madame, nous savons ce qui est en train de se passer. Manipulation et mensonge. Ils ont tenté de soulever le peuple contre le régime, ça n'a pas tenu. Alors il faut passer par des choses inutiles. Je le dis en connaissance de cause. Depuis notre combat de 37 ans, l'IDPS, l'IDPS n'a jamais opposé de communauté. Mobutu Koufi, Konga Koufi na Guadolite, qui se déplace? C'est Etienne Tshisekedi dans Moulouba. Mobutu ne le savait même pas. Mobutu malade na Côte d'Azur, qui se déplace? C'est Etienne Tshisekedi dans Moulouba. Notre mentor décède. Qui sont venus au deuil, les gens ne sont pas venus. Mais Félix se déplace pour aller au deuil des opposants. C'est ça notre culture. Nous ne sommes pas comme des Rwandais qui ont inculqué de la mauvaise manière aux Congolais. Ça c'est de un. De deux. Madame, ces messieurs, ils ne pèsent pas des conséquences de ce qu'ils disent. Aïe, bichoté, ma kamboussé, t'y koukou, n'a l'obi, et talingate.
Madame, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1990-1992 au Katanga, le plus long cimetière du monde, c'est au Katanga. Un directeur, Jekamine Natongo, mais la soirée, il se retrouve avec femme et enfant en train de fuir en train, et ils sont morts combien sur le rail? Ces messieurs, je dis politiquement, il n'est pas sérieux. Madame, est-ce que vous pesez ce qui se passe dans ce pays? Soit on est sérieux, soit on n'est pas sérieux. Et puis ça se passe où? Au Katanga. Mais qui a appauvri le Katanga? Mais c'est M. Joseph Kabila. D'ailleurs, ce n'est pas de son vrai nom. Qui a émetté le maréchal Mobutu a laissé Jekamine en un seul morceau. Mais sous Joseph Kabila, Jekamine s'est émietté en 500 morceaux, Moïse Katumbi gouverneur. Société nationale de chemin de fer qui faisait la fierté de cette province par terre. La personne qui a remis ces entreprises entre les mains de Katanga, qui a renégocié des contrats avec des entreprises chinois, c'est Félix qui a remis au Katanga. Aujourd'hui, Société nationale de chemin de fer René. Aujourd'hui, la Jekamine René. C'est Félix Tshisekedi. Qui a fait fuir Mukungubi la Katanga de Sourkoua? Qui a fait arrêter Edi Kapen Katanga de Sourkoua? Qui a ramené Mukungubi là au pays? Qui a fait sortir Edi Kapen d'après 20 ans de prison? N'est-ce pas Félix? Il ne sait pas que Félix, il a aussi du sang au Katanga. Par son oncle. Sa famille est installée là-bas. Félix, au fait, il est national, ce que Joseph Kabila n'a jamais été. Madame, je vais vous donner des preuves. Parlons du cas 7. Voix de... je ne vais pas singulariser le cas de M. Seth Kikuni, je vais parler dans l'ensemble violation des droits de l'homme. Voilà. Violation des droits de l'homme. Allons-y. Je viens de suivre M. Jakindala. Voilà. Attendez, madame. Okay. Laissez-moi. Je vais de suivre M. Jakindala. Voilà ce qu'il dit. L'auteur du carnage à Makala, c'est Félix qui a tué ces gens. Vous êtes journaliste. Quand quelqu'un affirme comme ça, et que demain, les services, la Bengue Babi, donne-nous des preuves. Parce que tu as dit, vois un peu là où ça bat, le bas blesse. Ça, c'est de un. De deux, madame, JEDE, vous connaissez JEDE, non? C'est une structure qui regarde les violations des droits de l'homme. Mm-hmm. Sous Joseph Kabila, 12 journalistes sont tués. Ici, j'évoque la mémoire de Franck Ngike. Moi, je ne suis pas évasif. 1680 cas de violation des libertés d'expression des journalistes. Madame, est-ce que vous pouvez étaler ici, 6 ans près, de Félix? Il n'y a pas de journalistes arrêtés, selon vous? Non, moi j'ai donné des preuves. Il n'y a même pas de tués. Deux, madame, mais sous Joseph Kabila, parlons-en. Tu entres à l'ANR et à la DEMIAP, quand tu sors, ton corps ne fonctionnera plus jamais comme auparavant. Je suis de ceux-là qui ont été arrêtés dans des cachots de l'année. Et j'ai des amis... Il y a une différence? Non, il y a... Madame, je dis... Barnabé Milingano qui est entré en prison, il sort, il dit que non, la prison est mieux que pendant le Joseph Kabila. Il avait des joues juflues. Madame, ce monsieur, peut-être, il est arrivé chez Kabila à l'âge déjà de la ménopause politique. Il ne sait pas ce que ce monsieur a fait à Kinshasa. Madame, moi, je vais vous évoquer les cas. Et quand l'opposant, 2015. Quand l'opposant, Seth Kikuni dit qu'il a été Madame, torturé... Madame, vous m'empêchez de dire des choses. Vous m'empêchez de dire des choses. C'est faux. Madame, je ne singularise pas. On nous a dit que Seth est mort, il est ressuscité. Vous croyez à tous ces gens qui disent... Mais le fameux Salomon Escadella, il était malade, il est rentré, il est sénateur aujourd'hui. Où est partie la maladie qui mourrait demain? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que les opposants ne peuvent jamais arrêter? Excusez-moi parce que je suis énervé, parce qu'il s'agit de ma vie. Moi, j'étais dans le cachot de la mer, monsieur. Toi, tu ne l'as jamais été. 2015-2016, nous avons des amis qui sont sortis avec nous, qui ne sont jamais rentrés dans leur maison. Je vais citer des noms. Messieurs, ne vous agitez pas. Madame, soyons sérieux. Un, je cite. Tu vas me dire où se trouve le corps d'Aramak Tungulu. Sur 24, Joseph passe par avec son cortège. Il jette une pierre. On l'arrête. Depuis qu'on l'a arrêté, jusqu'aujourd'hui, sa femme réclame son corps en Belgique. De deux, tu peux me dire comment on a tué Franck Ndick? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a seulement révélé que le paiement de nos agents sert à payer l'armée rwandaise. Trois, Chebe a de heureuses mémoires. Et puis Fidel Bazana, son beau-frère, son corps n'est jamais retrouvé. On part encore. Tu connais Marius Ngangale, ici à Kinshasa, un beau téti. Tu connais Aimé Kabila qui a été tué lâchement, ici à Monga. Tu connais Coutinho Fernando, regardez son corps. Je vous donne des faits. Dit Kabila est mieux que nous, madame. Coutinho Fernando, allez suivre sa femme, moi je l'ai suivi. Vous ne savez pas ce qu'on a fait du corps de ces messieurs. Je continue. Thérèse Kapangala,
Hussein Ngandou. Nous étions sortis avec eux de l'INC. Et mon frère de Lemba qui a été tué, qui était assistant à l'IPEN, Moukendi, son nom viendra. Le procès qu'on a arrêté, Karine le sait qu'elle est là, la majeure là. Madame, vous nous parlez. Vous voulez nous dire que sauf Félix Tshisekedi, le droit de l'homme est respecté. Madame, 2011, le 26, si je m'abuse, nous étions à l'aéroport. Nous étions tirés à bout portant par la garde républicaine. L'ancienne garde républicaine, parce que c'est plus la même. On a mené des corps à la permanence. À minuit, ils sont venus voler des corps. Ces corps n'ont jamais été retrouvés. Madame, nous avons pleuré ici, j'évoque la mémoire de Boukassa. Six combattants de l'IDPS, parce qu'ils nous sont passés par le siège du PPRD qu'ils ont saccagé. La nuit, ils sont venus, ils ont brûlé des pères de famille vivants. Madame, vous vous rendez compte de ça? Où sont passés nos frères qui sont... Est-ce que vous avez identifié des Congolais qui ont été dans la fosse commune de Maluku, Tokéi, représailles de Kamwena Sapu? 4 à 5 000 Kassaïens ont été tués. Madame, chez moi au Congo central, Bundu dia Congo, aujourd'hui Bundu dia Mayala, plus de 2, 3 000 mes frères de Né-Congo ont été lassement abattus, assassinés. Qui était là? John Numbi. Qui était là? Denis Kaloumé Numbi. Denis Kaloumé. Monsieur, vous dites droit de l'homme. Dites aux Congolais, on nous regarde en Belgique où se trouve le corps d'Armand Toungoul parce que M. Kabila l'a amené dans son cortège. Merci beaucoup, madame, il y en a encore beaucoup. Madame, il a beaucoup parlé. Madame, allons-y. À combien vous agitez? Moi, non, à combien vous agitez? À combien vous agitez? Madame, tous les régimes du monde, ici, je le souligne, même aux États-Unis, il y a des bavures. Floyd aux États-Unis. Vous savez, le gilet jaune, comment ils ont été réprimés? Ça, ce sont des choses que nous déplorons. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais comparer Kabila et comparer Félix, c'est de la sorcellerie, madame. C'est la fin de l'émission de Kojan. Merci, Kazama, en 30 secondes, votre mot de la fin. Qu'en est-il du dialogue déjà, Nakan Kabila? Comment vous prenez la nouvelle? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Votre mot de la fin, message à la population. Ndeko nanga, soki to komi kosala ba débat nan de kokotanga batu bakufaki na era Kabila. Ye alobi batu bakufaki moko tanda. Alobi jakinda alobi ke Tshisekedi ya bomi batu na prison ya makala. Mais tant que azoba kozi mo rosi Mukendi. Mais pour la bango, ce qui est Parce que ça qui révolte dans la prison. Il y a eu des coups de fait garde pour dire que il y a eu un et il y a eu un peu de temps. Sauf qui paie. Dans la prison, il y a eu un peu de temps. Nous avons des frères là-bas. Ce sont eux qui ont commencé à violer la force du progrès dans la prison. Ils vont faire recours dans la garde républicaine. Ils disent que bête massas. Il y a une panique. Ils disent que la prison est là. Il y a des morts. Dans des pays sérieux. Il y aurait eu un congrès, il y aurait eu des démissions en cascade. Mais mon tonton, vous moquez de peuple, mais vous serez surpris. Vous serez surpris un jour. Et puis, donc, vos bébés, ils mangent des pêches bino. Les gens qui ont trouvé la mort dans la prison Makala, plus de 1000 morts. Donc, on a tête, il y en a. Dans un pays normal, déjà, Assemblée nationale, bah, quoi, ça, là, c'est un mot extraordinaire. Bah, bénisse, ministre de la Justice. Mais il y a Nayoki, qui est directeur
il y a prison assis à Kimaki en Belgique. C'est-à-dire, dès que moi, dans l'aéroport, on a mis en réserve. Non, non, mais il y a Bango. Non, non, selon ma information, Zaki déjà qu'on la Zaki de Bandambo. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de dire tout ça. Bon. C'est-à-dire que déjà, dans l'aéroport, comment on a proposé Nicolas a détruit un million. À quel aéroport a Bimi? À quel pays a Zongi? C'est le meilleur ministre que la guerre de Sakamé. Il faut inciter ce peuple. Et puis, pas même mot. Jour, sport, maintenant, le père a été match à Bengi. Confesser le par, mais pas même mot. Il y a plus de 1000 morts dans la prison, Macal. Pas même des nationaux, pas même les drapeaux en berne. Très bien. Maintenant, quel sabotage. Merci beaucoup. Quel sabotage. Merci, madame. En 30 secondes, rapidement. Votre mot de la fin. Il dit que nous serons surpris. Nous attendons la surprise. Vous serez surpris. Parce que le peuple va vous chasser. Le peuple, quand il va vous chasser. Ouais. Nous allons utiliser l'article 64. Et vous serez chassé du pouvoir. Ça, je vous dis. Je vous le confirme. Nous allons utiliser l'article 64. Parce que vous voulez plus que le peuple parle. Nous sommes en face de nous sommes en face de fascistes. Madame, madame, des fascistes. Madame, l'article 64, c'est pour vous chasser du pouvoir. S'il vous plaît. Madame, nous allons utiliser des voies légales pour vous chasser du pouvoir. De me rencontrer dans les arguments, il s'agite. C'est tout à fait. Non, non, je vous dis des choses. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Madame. Nous avons le membre de force du progrès qui sont condamnés à la peine de mort. Je dis, Brigitte Macron a fait enfermer deux femmes pour diffamation en France. S'il vous plaît. Je parle en connaissance de cause. Monsieur le kabyliste, qui est arrivé chez Kabila à l'âge de la mer. Moni, c'est ça, c'est là. Je vais te dire un mot et ça sera. Macron, madame, c'est ça sa stratégie. Il sait ce qui va arriver. Il dit madame, je te le conseille des bêtises parce que c'est ça ta nature. Macron, moi je ne dis pas des gros mots. Madame, quand il y a une information, Monsieur le kabyliste, agité.